Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, mes chers frères et sœurs. Cette vidéo, partagez-la au maximum. Voilà comment, Dieu merci, la vidéo a fuité et on l'a aujourd'hui. Voilà comment le RDR a volé les élections en 2022. Et voilà comment il s'apprête à voler les élections en 2027. Les 2 millions d'électeurs fictifs dont on demande leur retrait toujours à Cubier. Et puis Cubier refuse de retirer leur nom. Déjà, les cas d'électeurs là sont bel et bien dans la main des RDR. Camarades, la vidéo a fuité. Ça a été filmé à Kumasi, chez Bakongo. Suivez la vidéo attentivement. Partagez-la au maximum. Et vigilance, vigilance. On est parti. Sonaré, toi, tu m'as donné combien de listes? Le prof au coach, tu veux combien de personnes? Les versets, tu es sûr que les versets sont arrivés? Je pense bien. Ok. Donc, à 25, si chaque 26, les 25 personnes, normalement, selon le calcul, si on doit diviser. Chacun doit coordonner 250 minimum. Et chacun est sûr que les 250 sont, ont été recrutés. Sûr? Oui. Ok. Parce qu'ici, nous avons 10 004 d'électeurs. Et sur ces 10 004 d'électeurs que vous, vous allez vous arranger à ce que vos éléments recrutés puissent. Après le vote, vous récupérez les cartes d'électeurs. Il ne faut pas laisser de traces. Chaque prof focal prend les cartes d'électeurs, il les partage à ses éléments. Il s'assure que ces éléments sont partis des endroits indiqués, bien indiqués pour le vote. Après la rencontre, le responsable chargé Badra va vous donner rapidement la liste. Elle lieu de vote où on a ciblé. Et dans les lieux de vote, il y a des BV également qui sont acquis à notre cause. Complètement. Donc directement, vous vous indiquez, c'est là-bas où vous amenez vos éléments. Sans vous tromper. Ils vont directement, comme d'habitude, vous présentez la carte d'électeur, il faut t'entendre. Tout le reste, c'est déjà OK. Il faut, pour cette sélection, avoir la victoire. Le ministre Touadéra. Je vous dis très bien le ministre Touadéra. Parce qu'il ne faudrait pas, après faire des erreurs, de nous dire, voyez celui-là, non, non, non. Cette fois-ci sera passé. Le 13, je vous conduis chez le ministre Bakongo lui-même. Il va vous recevoir. Donc j'espère que chacun a fait son travail et que le nombre de personnes a été recherché et que vous êtes sûr que ces personnes-là font notre affaire. Si une seule personne trahit, c'est pas bon. Et je souhaiterais que ce soir-là, vous preniez les bulletins. Vous allez très bien vous montrer vos éléments de telle sorte qu'ils ne puissent pas se tromper. Quand on aurait les différents candidats, nous, notre choix pourrait être très bien tellement qu'il est la colonne que nos éléments doivent coucher. Le reste, ça voulait rester, c'est mais vous voyez très bien le ministre, il est beau. Donc, vous n'aurez pas du mal à indiquer clairement que le ministre est comme ça. Là, quand vous prenez, je vous indique très bien, quand vous prenez, assurez-vous effectivement que la personne à qui vous donnez, selon ce que vous convoyez, vers nous, vous les maîtrisez.
toi, tes éléments, il allait les prendre pas forcément ici. Donc, tu t'assures que tous ces éléments-là ne sont pas ici. J'ai préféré, à longtemps, venir dessus. Je vous ai dit de prendre ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on ait des invités. Pas d'invités. Parce qu'actuellement, le maire sait très bien que nous sommes en train de faire des actions, mais il ne faudrait pas que ça sorte. Ok. Donc, je le disais tantôt, ça, je tiens beaucoup à ça. Si le ministre Bakongo a accepté qu'il fasse ça, c'est parce qu'il a confiance en vous. Et moi, j'ai confiance en vous. Ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. J'espère que on va réussir. Et que le samedi soir, je vous appelle tous individuellement pour la récompense. Je l'espère. Je l'espère. Ok, on a compris. Ok. Regarde, faites un pas pour lui. Vous avez vu les cas d'électeurs. Tadien Kubien. Tadien Kubien, chers camarades. J'ai dit Tadien Kubien. Tadien la CEI. Tadien le LPC. Le LCPC. Tadien police. Tadien gendarmerie. Tadien toutes les institutions. Tadien tout le monde. Kubien, Babiel. Tadien le ici. Taguez-le ici. Taguez-le, chers camarades d'Afrique. Taguez-le. Eux, déjà, ils ont... Vous avez vu, non? Il a 10 000 cas d'électeurs pour commencer seul. 10 000 cas d'électeurs. Pour commencer seul. Il y a 10 000 cas d'électeurs pour commencer seul. Commencer seul. Eh, il y a pourquoi? Il y a eu combien? Et Kogodi? Et Parboué? Et Abobo? Agnaman? Boaké? Dalwa? Ganoua? Il y a eu combien de cas d'électeurs? Au total, il y a plus de 2 millions de cas d'électeurs fictifs. Ça là, moi je dis ça à nos responsables. Et si on est dans la nonchalance, voilà comment ils vont nous mougou en 2025. Voilà comment ils vont nous prendre en 2025. Parce que aujourd'hui, il y a 8 millions d'électeurs. Sur les 8 millions, il y a au moins 2 millions qui sont. Dont ils ont leur carte. Ils ont 2 millions. Il y a un là. Un mec jeton. Il peut mettre 1 milliard pour acheter les gens. 1 milliard pour acheter Abidjan. Il peut mettre 2 milliards. La team. Ils n'ont pas... La vidéo est sortie boulée. Oui, vous venez de voir cette vidéo que je vous ai présentée. La CEI a été attrapée la main dans le sac. Vous avez vu les cartes d'électeurs qui ont été remises à ce monsieur dans la vidéo et qui vous a parlé de quasiment 10 000 cartes de lecteurs et c'est le travail de Cissé Ibrahim Bakongo. C'est fait, hein? Et vous avez écouté derrière ce qu'a dit Souleymane Babo Kone. Quand de telles vidéos sortent, elles détruisent toutes les ambiguïtés qu'il y avait derrière une situation qu'on essayait de faire croire que c'est l'opposition qui veut inventer des situations. Ça donne clairement une réalité des faits qui est bien plus différente que ce que nous avons l'habitude d'écouter. Parce que nous sommes devant des faits concrets, devant une réalité indiscutable. Des personnes qui ont clairement reçu des cartes de lecteurs et qui payent pour ça. Au-delà de ça, ils se rassurent aussi sur ceux qui ont ces cartes de lecteurs sont des personnes qui veulent jouer le jeu. C'est-à-dire, le RHDP
a créé une machine à fraude, une machine à marmaille, une machine à détruire tout un pays. Oh, Alassane Ouattara, il n'a jamais compris le sens de la démocratie. Voilà pourquoi avec Ouattara, bien évidemment, on peut accuser des Français, mais c'est l'acteur principal de toutes les sales besognes. C'est l'acteur principal de tout ce qui se passe de mal dans ce pays-là. Alassane Ouattara porte l'entière responsabilité de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est grave dangereux, mais il faut qu'on le dise. Il est donc important, quand on voit ce genre de fait, de comprendre qu'il faut aller vous enrôler dans la liste électorale. Mais vous préparez pour l'ultime combat. Parce que Ouattara est malade, il est souffrant. Mais nous savons aussi quelque part que tant qu'il vit, il fera toujours d'autres mandats parce que c'est son intention. Il veut autant durer qu'a duré Félix Houphouët-Boigny et il veut mourir seulement avant de quitter le pouvoir. Juste son cadavre. Mais lui vivant, vous ne pouvez pas espérer autre chose que sa présence là. Et pourtant, comme a dit le président Laurent Gbagbo, tenter même de faire un quatrième mandat, ayant déjà fait un troisième qui était une faute grave, serait donc une horreur. Quand on fait un troisième mandat en bousculant la Constitution, en bafouant les droits des populations, en tuant même pour se maintenir au pouvoir, et que le peuple accepte de te laisser les 5 ans, mais te laisser disant, OK, 5 prochaines années, on va remettre tout au clair et on va aller de l'avant. Et qu'en face, nous avons qu'une personne qui, en plus d'avoir commis une faute, veut faire une erreur, le peuple doit être mobilisé. La preuve que ceux-ci veulent faire une erreur pour garder le pouvoir à vitam aeternam, c'est justement parce qu'ils sont en train d'acheter des cartes d'électeurs. Ils sont en train de les mettre à leur disposition pour gonfler au moment venu les voix en leur faveur. La team, tout ceci étant dit, nous comprenons donc que nous devons aller aux élections apaisées, transparentes, instructives, qui pourront permettre à tous les Ivoiriens de participer, mais surtout à Alassane Ouattara de tomber de manière légale. La team, dites-moi ce que vous pensez après avoir cette vidéo, on se voit pour une autre.